Pendant l'été 2020, nous avons traversé la France de part en part, depuis la Suisse vers La Rochelle. L'idée était de faire deux étapes en route. Nous avons pris un peu de retard dû à des soucis électriques, on en parlera dans une autre vidéo. Nous nous sommes donc retrouvés dans la région de Bourg-en-Bresse. Cette exploitation, créée en 1985, est référencée sur Facebook, sur Étiquetable, un site qui référence l'agriculture responsable de la région de Bourg-en-Bresse, sur la France de ferme en ferme, qui parle de consommation responsable, d'agriculture solidaire et diversifiée. Viria est un village situé à 6 km au nord de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse est une communauté d'agglomération d'un peu plus de 40 000 habitants. Pour situer Bourg-en-Bresse, c'est à 100 km à l'ouest de Genève et à 60 km au nord-est de Lyon. C'est clairement une étape très intéressante quand on transite depuis l'Est, Suisse, Autriche, vers l'Atlantique. Cette ferme est également référencée sur France Passion. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, clique ici. La ferme élève des chèvres et des chevrettes de races Saanen et Alpine ainsi que des boucs. Ben là, il y a des bagarreuses à côté. Il expliquait que celles qui ne mangent pas pour le moment, elles attendent que les autres aient mangé, sinon elles se prennent des coups de corne. Ah oui. La production principale est constituée de petits fromages de chèvre, frais, demi-secs et secs, en fonction du temps depuis lequel ils ont été produits. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Du frais, du sec, du demi-sec ? Sur commande, il est également possible de se procurer de la viande de cabri, des volailles fermières, ou encore des légumes de saison. Oh, le dernier est coupé. Ouais. Bah, plus sèche, plus les sont petits. L'accueil est unanimement reconnu comme chaleureux. La visite de la chèvrerie permet un contact étroit avec les chèvres et les ânes. Si en tant que camping-cariste vous êtes propriétaire de chiens, ils sont les bienvenus en laisse. N'oubliez pas qu'il y a deux beaux spécimens de bosserons qui se trouvent déjà sur l'exploitation en laisse. Le parquage de votre camping-car se réalise sur un champ bien plat à proximité de la ferme. En hiver, il est également possible de se parquer plus près du magasin, sur une zone bien damée. Oui. Si vous voulez vous promener dans la région,
Bourg-en-Bresse ne se situe qu'à 6 km et dans un rayon de 30 à 40 km, on va retrouver Mâcon et la Roche de Solutré. En conclusion, voilà une très belle étape France Passion, idéale notamment pour les familles pour pouvoir accéder à la chèvrerie. Le parkage est facile, y compris pour des camping-cars de grande taille, voire avec remorque, comme c'est notre cas. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas pour le pouce bleu, ça encourage. À bientôt.